t'ai dit, arrête de m'appeler. Non, vraiment. Arrête de m'appeler avec ce numéro. Mon mari voit ça, je suis morte. Arrête, nous deux, c'est fini. Stop. Non, mais je t'ai dit que... Il est joli, ton petit haut bleu. Franck, c'est bien toi? Tu m'observes? C'est toi? C'est donc grâce à ce genre de dispositif que nous pouvons détecter et mesurer la concentration d'éther dans un objet. Enfin, j'aimerais ouvrir une parenthèse sur une dernière forme d'énergie qui est très peu comprise à ce jour, c'est l'énergie de l'âme humaine. L'énergie de l'âme humaine possède son propre champ électromagnétique, à l'instar de la lumière ou des ondes radio. Si on convertit une âme humaine en énergie électrique, on obtient environ 85 gigawatts. Pour vous donner un ordre de comparaison, la foudre, c'est 50 gigawatts. Bien entendu, ce n'est qu'une valeur théorique. La conversion d'une âme humaine en énergie électrique est un processus extrêmement complexe et donc encore à déterminer. Monroe, j'espère vraiment que vous avez une bonne raison de me déranger pendant mon cours. Il y a un homme à l'entrée qui dit avoir rendez-vous avec vous ici. Il s'appellerait Piotr Adamovitch. Oui, il a rendez-vous avec moi. Faites-le entrer, escortez-le jusqu'à ma salle. Mais dans le fond... Que se passerait-il si on pouvait extraire l'âme du corps de quelqu'un ? Bien que le corps et l'âme soient deux choses distinctes, elles gardent tout de même un lien. Si le corps meurt, l'âme va se dégrader. Et si l'âme est dissociée du corps, le corps va mourir. Oui. Mais est-ce qu'il est possible, avec les moyens actuels, d'utiliser l'âme comme source d'énergie ? Alors, peut-être qu'avec les moyens actuels, c'est possible, mais c'est encore une énergie qui reste très complexe, et le fait d'extraire l'âme de quelqu'un est un procédé assez inhumain, puisque très douloureux. Voilà. Et n'oubliez pas, le prochain cours se passera dans le secteur de recherche L41. Je savais pas que vous faisiez prof. Oui, je forme les futurs membres de l'AUSEM. Et il y a de la réussite ? Honnêtement, sur tous les élèves, il y en aura la moitié qui réussiront. Oui, c'est sélectif alors. Très sélectif. Vous voulez un café ? Volontiers. Merci.
Si je vous ai fait venir ici, Piotr, c'est pour vous faire part des conclusions de l'affaire vous concernant. Après une investigation poussée chez votre ami Jean, nous avons pu voir une certaine affiliation à une secte occulte, la Société de l'Œil du Chaos, ainsi que un meurtre en 1978. Vous voulez dire que tout ça, c'est à cause de lui ? Nous avons retrouvé dans son appartement tout le dispositif nécessaire pour invoquer un Abalam. Votre fils étant un Homo Deus, il était la cible parfaite. À cause de cet enfoiré, j'ai dû reprendre mon traitement. J'ai failli devenir fou. Et mon fils a failli mourir. Mais je croyais que c'était mon ami. Vous n'avez pas à vous en vouloir, Piotr. La confiance est une denrée que certains corrompent et utilisent pour manipuler et tromper. Vous ne devez pas culpabiliser à leur place. Vous avez peut-être raison. Il est dégueulasse. Par les paradigmes de Malek, je vais être en retard. Un problème ? J'ai réussi à trouver un horaire dans mes disponibilités pour un rendez-vous de la plus haute importance, mais il s'avère que j'ai omis le fait que j'avais prêté mes clés de voiture au sergent Ferrat pour qu'il aille voir sa femme en urgence. Bah, si vous me donnez l'adresse, je peux vous y emmener. Vous verriez ça ? Bien sûr. Voici arrivé chez Monsieur Nathan Hampton. Qui est-ce ? Un ancien collègue de la USEM. Je ne l'ai pas revu depuis 1972, je crois, à Fairwich Hill. 72 ? Mais c'était il y a plus de 20 ans. Disons que je fais plus jeune que mon âge. Bon, d'ordinaire, je vais passer mes interrogatoires avec un subordonné. Vous voulez m'accompagner ? Si ce n'est pas dangereux. Allons-y. Vous avez une poigne de fer ? Littéralement. Ah, je vous présente mon compagnon, James. Bonjour. Enchanté. Bonjour. Je vous sers quelque chose ? Un thé, s'il te plaît. Un thé aussi. Ok, ça marche. Attends, tu connais la procédure. Toute notre conversation sera enregistrée. Aucun problème. Raconte-nous, quand t'es-tu fait voler l'extracteur ? Oui, c'était début décembre, il y a un mois. James est taxi, du coup, il faisait une course du soir et j'étais tout seul. Je suppose que le vol a eu lieu la nuit ? Oui, je venais de me coucher. Et j'ai entendu quelqu'un qui passe par la fenêtre. Et après, j'ai vu une silhouette avec l'extracteur. Et j'ai même pas eu le temps de prendre le fusil et il était déjà parti. Mais l'extracteur était juste là, sans protection ? Tu avais ne serait-ce qu'une autorisation pour détenir un objet aussi dangereux chez toi ? Oui, j'avais formulé une demande auprès de l'agence pour étudier l'extracteur. Mais la machinerie est tellement sophistiquée que j'ai abandonné. Et il a fini en décoration dans le salon. Voici l'été. Merci, chérie. Merci. De rien. Tenez. Tu peux aller nous chercher les roulés, s'il te plaît, chérie. Pas de problème, chérie. Merci. Vous êtes allergique, James ? Oui, à la cannelle. Je préfère un œdème avec un simple contact. Bref, c'était très irresponsable de ta part de ne pas avoir mis cet objet sous sécurité. Et c'est quoi au juste cet extracteur ? C'est un extracteur d'âme humaine. Il arbore la forme d'une canne, mais à l'intérieur, c'est un mécanisme complexe. À l'origine, l'extracteur était accompagné d'une combinaison qui permettait de convertir l'énergie de l'âme humaine en électricité et de la stocker. Et cette combinaison était détenue par la USEM. Comment ça était ? C'est bien là le problème. Celui qui a volé l'extracteur est un terroriste surnommé Zeus, qui a également pénétré dans un des sites de l'agence pour voler la combinaison. Maintenant, il tue des gens en absorbant leur âme ou simplement en les foudroyant avec une puissance électrique incommensurable. Mais il y a quelque chose qui ne colle pas. La combinaison, elle convertit et stocke l'énergie. En aucun cas, elle peut projeter de l'électricité. C'est pour ça qu'on pense que Zeus est un Homo Deus. Il fait office de câble humain, en quelque sorte. L'énergie rentrerait grâce à la combinaison, serait dirigée dans son corps et ressortirait de lui. Un peu comme une bobine Tesla, si j'ai bien compris. Exact. Nous n'avons donc pas affaire à un simple meurtrier.
mais à un terroriste aux capacités surnaturelles, en possession d'une arme de meurtre de masse. Mais Arthur, vous avez une drôle de définition de rien de dangereux. En à peine un mois, il a déjà tué plus d'une centaine de personnes, dont des agents équipés et entraînés de l'agence. Et vous pensez qu'il pourrait revenir ici sans prendre à nous ? Je pense que c'est peu probable. Reste à savoir comment il a su que l'extracteur se trouvait ici. Il est venu ici dans le seul but de le voler. Ses crimes ne semblent pas être visés. Il tue au hasard pour instaurer un climat de peur. Et la police est aussi sur le coup ? Non, bien au contraire. La USEM essaye d'éviter au plus possible que ce genre d'affaires atteigne le grand public. Il faut arrêter ce dessous plus vite. Nous avons un quart des effectifs de la division à ses trousses. Mais nous n'arrivons pas à le trouver. En plus d'être puissant, il est malin. Une dernière question. James, vous n'avez pas de tache de naissance particulière qui ressemblerait à un tatouage de Modéus ? Non, rien de tout ça. Cette tache ici, dans votre cou, qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est 3 fois rien. C'est une brûlure que je me suis fait quand j'étais gamin. Attends, c'était un plaisir. Je te recontacterai si jamais on a besoin de toi. Au revoir. J'ai tellement peur. Ne t'inquiète pas, mon amour. Arthur est quelqu'un compétent. Imagine que ce malade revienne et qu'il s'en prenne à toi. Ça n'arrivera pas. Je sais me défendre. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime, chérie. Ben, il est pas simple votre métier. Vous savez, on fait avec. Et vous, vous travaillez dans quoi ? Je suis aide-soignant. Oh, c'est un beau métier. Vous trouvez ? Oui, vous donnez de votre personne pour aider les autres. Je trouve ça admirable. Mais j'ai l'impression que je pourrais faire tellement plus. Un peu comme vous. Je vous l'ai dit, les places à la USEM sont très sélectives. Oui ? Lieutenant Monroe, qu'y a-t-il ? On a une nouvelle victime. La femme du lieutenant Ferra. Elle est à l'hôpital entre la vie et la mort. Elle s'est fait électriser ce matin, à 7h15 selon les médecins. C'est pour ça que Ferra est parti en précipitation avec ma voiture ce matin ? Mais c'est pas tout. La femme de Ferra a reçu un coup de téléphone ce matin. On a réussi à le récupérer, et visiblement elle avait un amant. Un dénommé Frank Charpentier. Et ça pourrait être lui, Zeus ? Oui. En plus, son portable a borné juste à côté du domicile des Ferra au moment du meurtre. Et il semblerait que les appels parlent du fait qu'elle était observée. Vous avez des informations sur ce Frank ? Ouais. Un casier judiciaire loin d'être vierge. Il s'est fait arrêter il y a 8 ans pour agression et vol à main armée. Il est sorti il y a 1 an. Maintenant, il vit dans un des logements sociaux en périphérie, au bloc 3. Mais il y a de grandes chances pour que ce soit lui. Vous voulez qu'on aille l'interpeller ? Non, pas tout de suite. Ne faisons pas trop de vagues. Je vais aller l'interpeller seul. Non, je vous accompagne. Dis-moi comment il a habillé. Quoi, je fais des impôts. Vous, Franck ? Ouais, c'est moi. Tu me veux quoi ? J'aimerais te poser quelques questions. T'étais où ce matin entre 7h et 7h30 ? Non, mais ferme ta gueule, je t'arrête tout de suite. T'es de la police ? Non, je ne suis pas de la police, mais j'aimerais te poser des questions. Oh, mais casse ta berge, j'ai pas envie de te parler. Écoute-moi bien, petite merde. T'es le principal suspect dans une affaire de meurtre en série. Alors non, je suis pas de la police, mais j'ai ma propre juridiction. Donc si tu me dis pas tout ce que je veux savoir, j'aurai aucun mal à te mettre une balle entre les deux yeux. J'ai rien à vous dire, moi. Tu veux vérifier s'il y en a une deuxième ? Putain, Arthur ! Du calme ! Je vais essayer de lui parler.
Vous voulez quoi avec mon taré de pote là? Écoute, on enquête sur une affaire de meurtre en série. C'est très grave. Alors, mon collègue a réagi de manière un peu violente, mais on en a vraiment besoin. J'ai vraiment besoin que tu répondes à mes questions. Oh, ok. Tu fréquentes une femme, non? Madame Ferrat, je crois. Ouais, Laetitia, pourquoi? Parce que Laetitia a été agressée ce matin. Elle est dans un état très grave à l'hôpital. Quel hôpital? Où? Eh, je veux la voir, hein. Calme-toi. Je sais pas non plus, je peux pas te dire. Par contre, tu peux nous aider à retrouver celui qui a fait ça. Ton pote, il a dit que j'étais suspect ou quoi, là? Ouais. On a enregistré le signal de ton téléphone chez Laetitia au moment où elle a été agressée. C'est pour ça qu'on t'a suspecté. Vous croyez quand même pas que j'aurais pu la taper? Je la kiffe trop, cette meuf. Eh. Moi, je te crois. Mais il faisait quoi, là, ton téléphone? Mon portable, je l'ai perdu à 4 jours. Il m'a coûté une blinde, mais je l'ai perdu. D'accord. Alors, on va aller tout expliquer à mon ami là-haut. Et on va régler ça, ok? C'est idiot. Ça voudrait dire que Zeus a volé le téléphone de Charpentier? Pourquoi? Ça n'a aucun sens. Si. S'il veut semer une fausse piste. Non merci, je peux pas boire avec mon traitement. Vous ratez quelque chose. Vous avez été un peu dur tout à l'heure. C'est-à-dire? Un peu violent avec Charpentier. Oui, ça m'arrive quand j'ai affaire à des criminels. L'idée qu'il puisse être Zeus m'a donné envie de le... De le tuer? À vrai dire, oui. Vous savez, je pense pas que la mort et la violence soient une solution. J'ai déjà entendu ce genre de discours humaniste des dizaines de fois. Je suis pas humaniste. Simplement, si on se met à tuer les tueurs, à décider arbitrairement de qui doit vivre ou mourir, on est comme les criminels. Et si on adopte les mêmes stigmates qu'eux, puis rien ne nous différencie d'eux. Si on se met à être violent, à agresser, à menacer selon nos propres règles, finalement on agit comme le criminel qui est à la fois juge et bourreau. Vous avez peut-être raison. Vous savez, parfois j'essaye d'être moins radical, mais la fin justifie les moyens. Je ne pense pas que ce dicton soit à appliquer. Vous pensez? Oui, même avec les criminels. Vous en êtes capable, j'en suis sûr. C'est un grand optimiste. Non. Je vous fais confiance. Vous me faites confiance? Bien sûr. On fait confiance à ses amis. Très bien. Je vais vous offrir un gage de confiance, moi aussi. Wow! Vous faites quoi avec votre flingue, là? Vous êtes... immortel, oui. Mais... comment? Je ne vais pas vous décrire tout le processus de l'immuabilité de mon corps et de mon âme. Mais depuis quand? Eh bien, depuis toujours. Je suis moi aussi un homo deus. C'est... déroutant. Pourtant, vous semblez mieux le prendre que la plupart des personnes qui l'ont appris. Je ne sais pas comment le prendre. C'était pas le genre de choses que je crie sur tous les toits. À vrai dire, les personnes à qui je l'ai avoué par moi-même doivent se compter sur les doigts d'une main. Bien. Merci, je suppose. Certaines personnes pensent que c'est un cadeau, mais c'est pas vraiment le cas. Il y en a qui frôlent la mort, et moi j'ai frôlé la vie. Enfin, maintenant vous connaissez un de mes grands secrets. Ah, parce que vous en avez d'autres. Des tas, vous n'imaginez même pas. Au fait, vous m'excuseriez auprès de votre femme, je vous ai monopolisé toute la journée. Vous en faites pas. Elle comprendra que je passe du temps avec un ami. Et puis, on a bien le droit de donner un coup de main, non? Eh bien, de l'aide supplémentaire n'est pas de refus. Cette affaire nous donne du fil à retordre depuis des semaines.
J'ai réussi à prendre congé. Tant mieux. Je pense qu'on aura besoin d'aide. C'est pour ça qu'on est ici? Exactement. Il y a encore eu des victimes? Non. Et c'est bien cela qui m'inquiète. Ça fait 3 jours qu'il n'a pas frappé, j'ai un très mauvais pressentiment. Le calme avant la tempête. Bonjour James. Est-ce que Nathan est là? Nous aimerions lui parler. Je vais l'appeler. Nathan! Il arrive. Bonjour Arthur. Bonjour Nathan. Bonjour Piotr. Je suis désolé de te déranger si tôt, mais en discutant avec le colonel Brémond, nous avons pris la décision de t'intégrer à l'enquête. Colonel Brémond? Comme Joseph Brémond? Oui, celui-là même. Il est devenu colonel? C'est fantastique. J'ai toujours su qu'il gravirait les échelons. Oui. Et il fait un très bon colonel. Nous avons donc décidé d'habiliter un témoin à participer à l'enquête. Et qui de mieux placé que toi? Après tout ce temps, ça va faire bizarre d'avoir à nouveau affaire avec l'agence. Et j'oubliais, j'ai réussi à te procurer une autorisation pour que tu puisses utiliser ton fusil. C'était pas la peine, j'avais déjà un permis de port d'armes. Je parle de ce fusil-là. La clé d'Alto. Arme de catégorie 4. Oh, vous l'avez gardé depuis tout ce temps? Oui. Depuis 1972, nous n'y avons pas touché. Bon, je pense qu'il serait temps d'y aller. Très bien, je vous suis. Attendez, vous allez où? Nous allons au centre-ville. Est-ce que Nathan est en sécurité? Oui, ne vous inquiétez pas. J'ai ordonné le déploiement de toutes les troupes dans quasiment toute la ville. Comment ça, quasiment? Il y a seulement le secteur nord qui n'est pas surveillé par manque d'effectifs. Mais comme dit, nous allons au centre-ville. Tu n'as aucune raison de t'en faire, chérie. À ce soir. Au revoir. Salut. Pourquoi on va au centre-ville? Joseph nous y attend. Ça fait plusieurs jours que Zeus n'a pas frappé et j'ai un mauvais pressentiment. Oui. Il pourrait... Monroe? Il y a eu des signalements des civils qui auraient vu Zeus. Où ça? Dans le secteur nord-ouest de la ville. Bordel, ça aurait pas pu tomber ailleurs? Envoyez toute l'unité, je veux que tout le monde soit là-bas. Bien reçu. Piotr, Nathan, tenez-vous prêts. Je crois qu'on va coincer ce salopard. Arthur, il se passe quoi là? Des témoins auraient vu de Zeus dans ce secteur. Qui t'a dit ça? C'est Monroe. Je sais pas d'où tu tires cette information, mais y a pas de trace de feu. Messieurs, mesdames, mesdemoiselles, bonjour. On me nomme par bien des titres. Terroriste, meurtrier, criminel. Mais je me présenter en tant que Zeus. Si j'interromps votre programme radio, si tes militaires se sont mobilisés aujourd'hui dans toute la ville. Si j'ai tué 100 000 personnes, c'est pour vous faire part d'un message. La confiance est une denrée incertaine, corrompue, qui vous éclate au visage dès que vous la tenez. Alors n'ayez plus confiance en personne, car je pourrais être dans chaque rue, à chaque dispute, dans chaque foyer, chaque quartier, chaque voisinage. Je pourrais être votre fils, votre amant, ou même votre ami. Sachez donc que la mort peut vous attendre partout, et surtout, en qui vous pensez avoir confiance. Mais comment a-t-il réussi à se diffuser à la radio? Il a dû pirater la radio de la ville. Bon, on fait quoi? Prenez le corps pour l'autopsie et essayez de voir comment ils ont piraté l'antenne.
encore est formel. Le corps du maire était déjà inerte depuis 2 jours. Il était déjà mort ? Oui. Et personne n'a remarqué sa disparition. Pourquoi ? Sa femme est décédée l'année dernière et ses enfants n'habitent pas dans la ville. Aucun des membres de sa famille n'a rien vu. Et l'émetteur ? Il a été piraté à distance par un signal brouillé. C'est donc impossible de le retrouver. Ce malade est très doué. Et en plus, maintenant, on a des faux signalements. C'est vrai, ça. Le sergent Monroe. Comment as-tu su qu'un civil avait vu Zeus ? Eh bien, nous avons mis les 3/4 de la ville sur écoute. Et une conversation téléphonique a interpellé Monroe. Et vous ne serez pas en mesure de retrouver l'appel en question ? Non. Ce serait comme chercher une aiguille dans une meute de foin. Et si Zeus avait un complice ? Un qui fait un faux signalement pour vous attirer pile à l'endroit où l'unité n'a pas été déployée, pendant qu'un autre en profite pour pirater l'antenne, et Zeus pour placer le corps. Comme pour détourner l'attention de l'unité ? Oui. Le problème, ça serait que les seuls au courant de vos déploiements, ça serait vos militaires. Non, pas seulement. Parfait. Un réactif anti-allergique qui laissera place à l'allergène au bout de 4 minutes. Ça sert à quoi ? Ce n'est pas certain, mais cela pourrait peut-être nous permettre d'arrêter Zeus. Ils ont fouillé l'orphelinat comme vous l'avez demandé. Mais il n'y a que ça. Les autres dossiers sont récents. Et pourquoi vous ne retrouvez pas d'autres dossiers ? L'orphelinat a ouvert en 76. Un an après, il y a eu un incendie à cause d'un problème électrique. Et il n'a réouvert qu'il y a 3 ans. Pourquoi tu veux absolument fouiller les archives de cet orphelinat ? Il y a quelque chose d'étrange. Zeus ne s'en était jamais pris à des enfants auparavant. Et l'orphelinat est très excentré de la ville. C'est comme s'il avait changé de cible, changé de champ d'action. Et tu penses que fouiller les archives de cet endroit va nous aider à intercepter Zeus ? Quand nous étions à Witchfield, ou à Fory-sur-Bois, fouiller le passé ne nous a-t-il pas aidé à résoudre ses affaires ? Venez voir. Vous avez quelque chose ? James Hayden était dans cet orphelinat. Le compagnon de Nathan ? Celui-là même. Pour quelle raison ? Apparemment, il était là pour une thérapie de reconversion. Il n'était pas orphelin. Bordel de merde. Et il n'y a pas une photo de lui enfant ? Là ! Son cou. Une marque d'Homodeus. Cela ne fait que confirmer mes doutes. C'est même encore pire que ce que je pensais. Comment ça ? Des doutes ? Hormis
nos agents. L'unique personne qui était au courant de notre manque d'effectifs au nord-ouest de la ville, c'était James Hayden. Et l'incendie de l'orphelinat explique sa brûlure à cet endroit. Attendez, la signature au dos du dossier. C'est celle du maire ? Gérard Rotelli, et c'est bien lui. Donc l'orphelinat, qui était un ancien camp de reconversion pour homosexuels, était en fait tenu par le maire ? Quel enfoiré. Le mode opératoire de Zeus s'appelle bel et bien changé. Arthur. Ses actions étaient visées. Allô ? Quoi ? Ça peut vous aider, l'orphelinat a été séparé en deux. Un site qui reste l'orphelinat ici, et l'autre qui a été transformé en université à la fin des années 80. L'unité de la ville ? Ouais. Soldats, vous allez vous rendre à l'institut universitaire de la ville et évacuer un maximum de personnes. Mais il y a 1500 élèves. Eh ben, vous évacuez le plus vite possible. Affirmatif. Il faut que je vous attende. Thank you.
À genoux! Lève les mains! Tu lâches ton arme! Monroe! Ferra! Qu'est-ce que vous foutez? Tu croyais vraiment que tes soldats allaient te rester fidèles? Espèce d'ordure! C'est ça, oui, c'est moi l'ordure. Nathan vous faisait confiance, et vous l'avez trahi! La sacro-sainte confiance. Moi aussi. Moi aussi j'avais confiance en mes parents. Et ils m'ont lâchement abandonné quand ils ont remarqué que je tombais amoureux de ces petits garçons. J'avais confiance en eux. Mais tu sais ce que j'étais pour eux? Une erreur. La confiance n'existe plus. L'homme a corrompu tout ce qui est beau. La confiance désormais n'est qu'une arme pour manipuler, pour détruire une simple personne. J'ai été détruit. La confiance m'a trahi. J'ai été trahi. Je ne suis pas le seul. Ferra aussi avait confiance en sa femme. Quand elle l'a trompé avec un petit banlieusard de merde. Et là, je me suis chargé de son cas. C'est comme ça que vous justifiez tous ces meurtres? Et vous, qu'est-ce que vous y gagnez, Monroe? Je te fais confiance, Arthur. Relève-toi. Bon, Monroe, tu fous quoi, là? Non, 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 putain! Ça devait pas se passer comme ça! Cette affaire est peut-être terminée, mais non sans conséquences. Comme toujours, malheureusement. Nathan méritait pas ça. Merci pour tout ce que vous avez fait, Piotr. Non, c'est moi qui vous remercie. J'ai pu me sentir utile. Mais j'étais sûr que vous feriez le bon choix. Lequel? Ne pas le tuer. Montrer que, malgré sa colère, aussi justifiée soit-elle, il avait tort d'agir ainsi. C'est à vous que je dois cela. J'ai rarement eu la chance de rencontrer un ami comme vous. Vous êtes une bonne personne, Arthur. Je l'ai toujours su. D'ailleurs, vous n'auriez pas une place à l'agence. Pourquoi? Une place vous intéresse? Disons que c'est un travail qui pourrait me plaire. Avec toute l'aide que vous nous avez apportée, votre cause ne devrait pas être trop difficile à plaider. De la USM? Oui. Travailler à l'agence, c'est un peu comme avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête.